Stéphane, alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau, Arnaud, comme montage pour ta session de pêche? Donc pour notre partie de pêche, on a deux montages totalement différents. Enfin, basé quand même sur du principe coulissant. Le premier montage tout à fait classique aujourd'hui, sur lequel on part sur une arrachelle donc en fluorocarbone, sur une longueur d'environ 6 mètres, hein, donc de longueur de canne approximativement, sur lequel on vient greffer une tétine pour bien sûr la graflon. Tout simplement. Des graphes, on trouve dans toutes les marques, dans tous les commerces locaux. Là-dessus, je viens y rajouter une paire d'amortisseurs qui, vu le grammage des plombs, hein, qui sont de 130 grammes quasiment, permet d'amortir les chocs du courroie du poisson. Là-dessus, grâce à un nœud palomar, je viens rajouter mon émerillon et mon agrafe. Agrafe sur laquelle je vais greffer ensuite mon bas de ligne. Donc, le Paloma m'assure qu'il a fait toutes ses preuves aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien à prouver. Donc, c'est un nœud qui est vraiment très simple à faire. On part sur une double boucle sur laquelle on va croiser et repasser dedans les émerillons. Voilà, donc ce nœud qui est vraiment ultra complet, très très résistant, quel que soit le type d'eau. Hein. J'utilise un mont sur les rivières, sur les fleuves ou bien sur les étangs comme celui-ci. Vraiment un montage super complet. Là-dessus, je viens replacer ma perle que j'ai mis précédemment en dessous de mon agraflon pour faire un amortisseur de façon à camoufler mon nœud. Et vraiment, vous voyez, ainsi avoir un rendu complet au niveau de mon émerillon et de mon agrafe pour faire l'amortisseur avec mon plomb qui vient sur mon agrafe. Ce qui permet vraiment d'avoir. Encore une fois, alors des combats, éviter les décroches et éviter. Bah les surprises quoi, parce que c'est quand même précieux de sortir les poissons sur lesquels on a des départs. Non, pour moi je pense. Voilà, c'est un montage quand même très très discret, qui est peu complexe à réaliser, facile à portée de tous, à moindre coût en plus. C'est quand même qui est intéressant vu le prix des matériaux aujourd'hui. Et donc là-dessus, mon bas de ligne donc d'une longueur de 15 cm en fluorocarbone. Hein. Fluorocarbone de 25 livres, vu les poissons qu'on a ici, hein, c'est le bon compromis. Sur lequel je viens placer un rig aligner pour mettre ensuite sur mon hameçon numéro 6 XSC, sur lequel je vais rajouter bien sûr mon appât d'anse pour pêcher la mante totalement sur le fond. Donc simplement pour ça, on utilise un rubber que je glisse sur mon agrafe au niveau de ma boucle. Voilà, comme ceci, simplement, vous voyez, c'est très très simple, super efficace et qui me satisfait entièrement. Voilà, donc ça, c'est le premier montage. Vous voyez, un totalement coulissant aujourd'hui, parce qu'en plus, on pêche fil détendu. L'avantage du fluorocarbone, c'est sa densité par rapport à un nylon classique, ce qui fait que ce nylon va se plaquer sur le fond et avoir une discrétion plus importante qu'un lead core classique. Aujourd'hui, on pêche sur un substrat quand même basé sur du gravier et sur du sable. Donc, pour avoir une harmonie totale sur le montage, vous voyez quand même qu'il est super discret ici. On est quand même vraiment à l'aise. Deuxième montage utilisé, hein, qui par rapport à mon poste, qui est un petit peu différent au niveau de la topologie, on va utiliser un montage beaucoup plus coulissant, basé sur un running rig. Donc là-dessus, la grosse différence, c'est que moi, je ne pars pas sur un lead core. Habituellement, on utilise des lead core d'un mètre à 1,30 m pour réussir à plaquer le montage et être totalement libre. Là-dessus, moi, je pars sur une arrachée en tresse assez gros diamètre, sur la 45 livres. Simplement parce que je pêche sur un endroit un peu plus encombré avec de la matière, des branches en bordure. Donc, j'ai percé une perle que je vais glisser sur mon arraché qui fera en fait office de stop flotte de butée, ni plus ni moins. On pourra avoir une mécanique de montage très 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 élaborée. Là-dessus, on utilise un plomb classique, hein, ni plus ni moins, avec une agrafe rapide qu'on trouve partout. Et bien sûr, l'anneau ultra coulissant, qui est vraiment sur un diamètre supérieur, qui permet d'avoir un montage qui va coulisser intégralement. Là-dessus, je viens mettre donc sur mon arraché, au niveau après ma perle, le plomb, sur lequel je viens mettre les nouvelles tétines avec le système running rig de chez Fox, que j'utilise vraiment en toute tranquillité. Donc le gros avantage, c'est qu'en pêchant détendu, comme nous le faisons ici, on va avoir un principe de coulissant, au niveau du montage vraiment vraiment serein, vraiment complet, ce qui fait que sur un poisson plus difficile, plus tatillon, parce qu'on a quand même une pression de pêche assez élevée ici,
qui fait qu'on va avoir un poisson un peu plus méfiant. Donc le gros avantage, c'est que voilà, ce montage n'est pas détectable par une carpe comme un montage plus classique, on va dire. Ensuite, je vais venir après mon agrafe, ici on remet une perle, toujours amortisseur dans le principe du combo bien sûr, hein. C'est là le gros avantage, c'est toujours amortir en cas de choc violent, dû au grammage du plomb, parce qu'on pêche détendu, dans beaucoup d'eau, donc je veux que ça coule très vite avec mon stick, que Stéphane présentera juste après. Donc là-dessus je raccorde mon accroche de baligne, et mes rayons et agrafe, sur un nœud palomar, toujours même principe, hein. Directement sur mon arraché. Donc des montages encore une fois sécurisants pour le poisson, parce que le plomb est totalement différencié au niveau de l'accroche par rapport au bas de ligne, ce qui fait que dès qu'on va casser en fait en cas de rupture de ligne, le plomb va s'y libérer et le poisson aura juste le bas de ligne et il s'en libère très très bien aujourd'hui, ça fait malheureusement pour nous, donc c'est un peu ça le gros avantage. Sur site de montage bien sûr, comme on pêche sur du coulissant, pour être en totale liberté, on va utiliser un bas de ligne là, cette fois-ci en tresse. Donc en tresse c'est un hameçon numéro 6 sur un appât équilibré, donc un snowman. Là-dessus on vient mettre toujours un rubber, même principe, donc cette tétine qui vient venir se plaquer sur la graffe que j'aurais précédemment monté sur mon émerillon juste en dessous ma tétine. Hop. Donc ça prend quelques secondes, c'est ultra rapide, ça permet de pêcher ultra précis, que ce soit de jour comme de nuit. Et c'est vraiment ça le gros avantage. Donc on a toujours une ligne qui est pêchante, on est toujours serein de ce qu'on fait, et puis on est vraiment vraiment rassuré. Voilà, donc ce montage est ultra coulissant, vous voyez. Donc là le fait que le poisson va tirer sur la ligne ici, sur un snowman, donc une bille dense, une bille flottante qui va être équilibrée dans cette position juste comme celle-ci, le poisson va tirer donc en toute liberté puisqu'on pêche encore une fois détendu. Donc sur du hanger bien sûr, même principe, et là ça va arriver en butée. Et dès que la perle est en butée, ça se met en contact et le poisson va être auto-ferré, même principe. Très donc bien. Là-dessus on va utiliser maintenant les produits de Stéphane qui sont sur du stick et de l'appât dense et du snowman. Ok, ben, merci Arnaud, c'est bien présenté, super. Bon, maintenant Stéphane va nous parler des sticks, montage stick. Alors, à ton tour Steph. Ben, moi particulièrement j'ai choisi ce genre de montage tresse. Simple avec les hameçons UCP Super Strong en 4. Donc tout simplement la Big Red Fish de chez UCP. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est la gamme équilibrée ou flottante, divers coloris. Vous pouvez retrouver toute la gamme chez MCP. Donc, voilà. Alors, avec un stick mix, c'est exactement la Big Redfish, la bouillette de chez UCP, mixée. Et là, je vais vous présenter un stick mix. Un montage gagnant. Ouais, un montage de agro poisson et gagnant surtout. La présentation. Maintenant, on va vous faire montrer dans l'eau. Ça bouillonne, hein. Thank you.
Là, il commence à diffuser, ça y est. L'action se fait. Et ça bouillonne toujours aussi bien. Oh là là. La bombe atomique. On n'en mange rien. Ouais. Bien diffusé. Hein. Là, tu peux le prendre d'au-dessus. Regarde, là, c'est parti. J'ai fait une diffusion lente. Parce que là, on pêche assez dans des profondeurs de 4 à 5 mètres. Je vais en présenter une un peu plus rapide. Simple. Ah là, ça remonte. Hein. Voilà. Ça, c'est comme on dit, du rapide. Ouais, vous pouvez retrouver tous ces produits-là chez UCP-MCP. Ouais. Donc, ils seront également présents au salon de Beringhem du 5 au 6 novembre 2011. Voilà. Ah, merci, les gars. Merci bien. Merci, au moins, on a appris des choses. Merci. Voilà. Tu prends un sac, non ? Quoi ? Attends, je vais laisser se fatiguer peut-être un peu, parce que là, je vais prendre un petit peu de poser. Des boîtes arrière. C'est que le lait neuve. Ouais. T'as jamais servi. Il y a une trace sur votre tête, mais là. C'est vieux. Pas cette année. Quelle taille. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Celle-là va la reconnaître facile là-bas. Quasiment là, c'est là. Elle a pas dû manger, tu l'as dû la prendre en arrivant. Ouais. Et si c'est énorme, putain. Là, c'est celle qui fait combien celle-là ? À gauche, 18. Droite, 21. Celle qu'il y a à Steph, c'est combien ? C'est 21, celle-là. C'est la 21.
toi, copine. Belle comme une de 21 kilos, l'eau. Super. Ça peut te rapprocher, quoi. C'est mon paquet. Super. Je vais poser quoi, l'eau ? Steph avec ses deux bébés. Hop, 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 hop. Ah, elles sont belles. Pas les bêtises. Magnifique couleur et tout. Hein. Bravo, bravo. Bien joué, Steph. Ouais, voilà. Jean-Philippe, je l'embrasse. Ça va, t'es combien, Arnaud ? 21. 21 tout rond. 21. 21. Une belle commune de 21 kilos. La balle. Le 19, 21 kilos. Ouais. 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 Plaisir. Ouais. 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 Ouais.